Salut à tous, c'était ZB et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc sur GTA Online en 1.21, donc après la mise à jour braquage. Et pour cette vidéo, je suis pas seul, je suis en compagnie de Ranger. Salut. Salut. Donc voilà, aujourd'hui on va tout simplement parler de la nouvelle voiture qui est disponible donc avec cette mise à jour braquage. C'est la Dinka Kuruma, si je me trompe pas, c'est bien ça? Ouais. Donc voilà, la Dinka Kuruma. Donc je vais laisser Ranger donc dire ce qu'il en pense et ensuite je vais reprendre la parole. Alors Rockstar a bien mis cette voiture sur GTA, comme promis. Alors c'est la marque de base Mitsubishi. Donc ceux qui connaissent, voilà. Ceux qui connaissent pas, c'est une marque japonaise. Donc comme vous pouvez voir dans la vidéo, on peut faire. Il y a deux sortes de voitures. Donc il y a la blindage et l'original. Donc perso, moi et TZB, on a pris l'original parce que ça rendait plus beau. Et le blindage, franchement, on peut customiser, mais franchement, ça rend pas très beau. Donc perso, j'ai pris l'original qui vaut 95 000, donc t'en penses quoi, TZB? Ouais, l'original, elle coûte moins cher, je crois, non? Et l'autre, en fait, la blindage, elle coûte dans les 500 000, c'est ça? Ouais, et en fait, 500. La blindage, c'est plus une version en gros braquage. Et donc, ils nous ont quand même donné deux versions, je trouve que c'est pas mal. Ça laisse un choix, c'est assez sympa. Parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui s'en foutraient s'il y avait que la version noire, là, blindage, qui est pas très belle. Mais qui rend quand même bien dans les braquages. Et là, ils nous ont mis une possibilité donc de changer les couleurs, de la custom un peu. Je trouve qu'elle est bien belle quoi quand même. Et faut aussi ajouter qu'ils ont mis des nouvelles jantes chromées, donc qui coûtent assez cher. Mais bon, je pense que tout le monde a assez d'argent maintenant avec les duplications pour se les acheter. Nous, on les a pas mis dans le gameplay, mais si vous voulez les mettre, je vous mettrai un petit gameplay des jantes chromées, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Donc après, on va parler aussi un peu de la vitesse de la voiture. Donc c'est pas la plus rapide. Hein, je pense que si tu as testé Ranger, c'est pas la voiture la plus rapide, mais elle a une très bonne accélération. Et en accélération, c'est l'une des meilleures par contre. Après, elle tient bien la route, vu que comme Ranger vous l'a dit, ça s'est tiré d'une Mitsubishi. Pour ceux qui connaissent un peu le rallye et tout, les Mitsubishi sont des voitures qui sont 4 roues motrices, qui tiennent vraiment bien la route. Donc voilà, cette voiture en tout, je pense, en général, elle est très très bien. Après, un peu déçu qu'il n'y ait pas de super sportive. Mais bon, je pense que cette voiture, on peut être heureux, elle est pas mal. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Toi, t'as des choses à rajouter? Non. Donc voilà, on espère que cette vidéo, donc présentation, vous aura plu pour ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité de l'acheter, par exemple. Voilà, nous, on a fait des vidéos donc pour présenter les braquages, toutes les étapes des braquages. Si ça vous intéresse, ce sera dans la description. Donc voilà, allez cliquer. On y a fait, donc Ranger et moi. Hein. Donc voilà, nous, on vous dit à la prochaine. Allez, ciao. Salut tout le monde.